chrétien qui veut résister à la tentation de ce monde pervers a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que le monde est très attractif. Nous sommes tentés sur tous les plans, à tous les niveaux. La tentation ne dépend pas de ton degré de foi. La tentation ne dépend pas non plus de ton niveau spirituel. Mais qui peut nous aider à vaincre la tentation? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, ayant été conduit pour être tenté, était rempli du Saint-Esprit. Il a été capable de s'opposer au diable, de refuser la tentation. Aujourd'hui, si nous, chrétiens, nous voulons mettre le Saint-Esprit de côté et agir par notre intelligence, par notre force, nous allons échouer. Jésus fait référence au fait que la venue de l'Esprit sur lui est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Il est là pour prêcher, pour guérir les malades, libérer les opprimés. Aujourd'hui, guérir les malades, il faut prendre assez de temps souvent parce que nous prions beaucoup avec la sagesse. Par son ministère, Jésus guérissait les malades. Il délivrait les captifs. Et les gens voyaient, ils étaient touchés. Si nous ramenons le Saint-Esprit dans son église, dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre adoration, dans notre ministère, dans notre leadership, nous aurons un leadership qui impacte, qui transforme des vies. Je ne parle pas du Saint-Esprit, où les chrétiens parlent en langue, mais ils sont toujours avec le même caractère. Je suis en train de parler du Saint-Esprit qui a pris Pierre, le peureux, et qui, le jour de la Pentecôte, quand il a visité Pierre, Pierre était devenu une autre personne. Il n'avait plus peur. Il avait l'assurance. C'est de ce Saint-Esprit-là que je parle. Que ce Saint-Esprit-là te visite afin que tu sois capable de parler de Jésus partout où tu te trouves, que ce soit en milieu hostile ou en milieu favorable. TV, la lumière chez vous.